مشاركة العام 2023 في معرض اليوتيس، وهو موعد دائما نحن نحضره الحمد لله، وبحضور مجموعة كبيرة من المصدرين والمنتجين الموريتانيين وكل قطاع الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني حاضر بكثافة هذا العام في هذا المعرض المتميز. الهيئات المتواجدة هنا متواجدة كل المصدرين للأسماك الموريتانية المجمدة وأسماك المختلفة وحتى دقيق وزيوت الأسماك وأسماك السطح والأخطبوط الموريتاني وإلى غير ذلك، وهي تعتبر فرصة وموعد مهم بالنسبة للعارضين والمصدرين الموريتانيين لمختلف العالم. Nous sommes très heureux de participer à la 6e édition du Salon Aliotis parce que c'est une occasion pour nous de renforcer la coopération avec le Royaume du Maroc et avec tous les pays amis du Royaume du Maroc qui sont invités à cette 6e édition. C'est aussi l'occasion pour nous de présenter les potentialités aliotiques de notre pays, les principales espèces qui sont pêchées, les types de valorisation que nous faisons de ce produit. Nous sommes venus avec les professionnels de la pêche qui vont discuter avec leurs homologues pour échanger et établir de nouvelles coopérations entre eux. Nous sommes vraiment ravis de revenir au Maroc pour la 6e fois participer à cet important salon qui est le Salon Aliotis. Le Maroc est vraiment un pays qui coopère avec tous les pays africains. Moi qui vous parle, j'ai étudié ici à l'Institut agronomique et vétérinaire à Sande de 1998 à 2004. C'est le Maroc qui m'a formé en pêche. Aujourd'hui, j'occupe des postes dans mon pays. Je ne suis pas le seul. Beaucoup de Guinéens, beaucoup d'Africains viennent ici pour se former, pour être des hauts cadres qui gèrent les pays à leur retour dans le pays. Je suis la présidente d'une réseau des femmes de la pêche artisanale Refepas et je suis venue au Maroc à Agadir participer à cet important salon et c'est une première pour moi, mais je trouve très intéressant parce qu'il y avait la présence de tous les pays, presque de tous les pays d'Afrique ici participer à cet salon. Donc il y avait pas mal de produits, il y a plusieurs produits, plusieurs institutions que j'ai rencontrées ici et je trouve vraiment important et idéal même l'organisation. Oui, il y a des échanges entre le Maroc et les autres pays d'Afrique, surtout nous, particulièrement le Sénégal. Donc nous importons du poisson à partir du Maroc vers le Sénégal, surtout le mulet, parce qu'il arrive à un certain moment au niveau du Sénégal, le poisson devient de plus en plus rare. Donc nous importons votre poisson et nous mangeons le poisson du Maroc. Donc c'est tellement important le fait que nous sommes venus ici participer à cet salon où, et des B2B ont été effectués avec d'autres pays et surtout particulièrement le Maroc pour qu'on puisse, une fois de retour au Sénégal, qu'on puisse avoir des partenaires et nous continuons à travailler avec eux.